Centre d'opération de cybersécurité, CyberSOC, 5 points essentiels pour guider votre choix. Un centre des opérations de cybersécurité, CyberSOC, est un dispositif qui repose sur trois piliers essentiels que sont les outils, les processus et les hommes dont le rôle est de veiller à ce que les cyberattaques soient détectées, analysées afin d'y apporter une réponse adéquate. Afin de choisir au mieux le prestataire de CyberSOC idéal, voici quelques clés essentielles à connaître. La première étape est de connaître vos besoins. Le CyberSOC étant un dispositif de maîtrise de risque, il est important qu'en amont vous sachiez déjà les actifs à protéger, les scénarios de risque qui vont alimenter votre CyberSOC et quelques use cases propres à votre organisation. La deuxième étape est de tenir compte des exigences légales et réglementaires en fonction du pays dans lequel vous et le prestataire vous situez, car ce dernier sera forcément soumis aux exigences du pays dans lequel il exerce. Ensuite, n'oubliez pas de garder à l'esprit que votre CyberSOC doit vous permettre d'atteindre vos objectifs commerciaux. Donc il est impératif qu'il soit aligné sur votre stratégie commerciale. La quatrième étape consiste à tenir compte des compétences et de l'organisation du prestataire. Les ressources du prestataire du CyberSOC doivent être compétentes et disposer de certifications pointues dans le domaine de l'analyse et de la réponse aux incidents. Il doit pouvoir aussi disposer de procédures claires encadrant le fonctionnement du service qu'il fournit. Assurez-vous que le prestataire dispose d'une équipe chargée du premier niveau d'analyse, une équipe qui réalise les analyses approfondies des incidents et une équipe qui intervient dans le cadre de forensique. La dernière étape est la vérification. Avant de choisir un prestataire, vérifiez ses références. Cela permet de connaître le secteur d'activité dans lequel interviennent la plupart de ses clients et de vérifier la qualité de ses prestations. Pour conclure, rappelez-vous que le choix d'un prestataire de CyberSOC doit tenir compte de votre activité, de sa taille, de la criticité des informations à protéger et de l'appétence aux risques cyber de votre organisation. Selon ces différents points, votre organisation pourra souscrire pour un MicroSOC, un MDR ou à un CyberSOC disposant de toutes les briques de détection et de réponse automatisées.